Oh, le salut du love et des bisous, oui, c'est Alex Sensen, connu sous le pseudonyme du Don Alex sur Twitch et Kick, évidemment les deux plateformes de streaming. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on est sur les Sims 4, épisode numéro 36, et je le précise, cet épisode est intéressant pour moi, puisque je voulais faire un petit peu de changement sur des petits trucs, et je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petites guest stars. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans l'épisode, je sais plus lequel, dans les premiers épisodes, il y avait Tibony Shape, Jufika, que j'avais ajouté juste pour mettre des youtubeurs français. J'avais pris le premier que j'avais dans la liste, et c'était le tout premier que j'avais trouvé à cette époque-là. Et bah écoutez, je baisse le son du jeu, il est assez fort. On va. Évidemment, pas se mentir, je pense que on va pas faire un gros épisode aujourd'hui. Voilà, là je vais faire un épisode de 30 minutes. Voilà, je vais pas faire des gros épisodes. De toute façon, là, comme je l'ai dit, c'est une période aussi, je vais pas beaucoup tourner. Là, à partir de la semaine prochaine, jusqu'au mi-avril, je vais moins tourner parce que j'ai vu qu'il y avait des travaux qui allaient se faire dans ma rue et tout. Ça va être un bordel. Je tournerai que le soir. Je tournerai une vidéo limite par soir. Et le week-end, je tournerai peut-être deux vidéos. Je tournerai donc, du coup, au lieu de tourner 7-6 vidéos, j'en tournerai peut-être 5 par semaine pendant un mois. Donc il y aura un petit peu moins de vidéos. Il y aura du Alice Madness Return, il y aura du Sims, il y aura du Pokémon Johto et Kanto si tout se passe bien d'ailleurs. Et voilà, et peut-être 2-3 vidéos comme Kingdom Come Deliverance, tout ça, React, peut-être pourquoi pas, on verra d'ici là. En attendant, je voulais vous dire qu'on va avoir un épisode assez cool. Là, Alex n'est pas là. Alex n'est pas là. Je sais pas, il est où? Je vois qu'il est pas là, il est pas disponible. Prendre soin de soi. Ah! Mais Alex, il est où du coup? Alex n'est pas disponible. Bon, on verra plus tard, peut-être qu'Alex est en vacances, je sais pas. En tout cas, c'est dommage qu'Alex est en vacances. Puisqu'il y a un épisode avec des guest stars. Donc il y a des guests. Donc qu'est-ce que c'est l'épisode guest star? C'est je mets des stars du pays de notre pays ou forcément à l'international. Et là cette fois-ci j'ai décidé de viser le sommet. Vous allez voir. Quand je dis qu'il y a des guests, et ben, enfin c'est pas des guests qui vont envie arriver là. Alors là s'ils arrivent là les guests, je vous dis que qui sont dans les Sims, je vous dis ma vidéo, je pense qu'elle fait 40 millions de vues. Mais je pense pas. Je pense pas qu'ils vont venir IRL. Je pense qu'ils vont être dans le jeu seulement. Alors, avant toute chose, rien à voir avec les Sims. J'ai vu que. Regardez, j'ai coupé les cheveux. J'ai vu que là, c'est pas le même. Ouais, c'est pas équilibré. Il y a un problème. Donc, je vais peut-être devoir m'occuper moi-même de ce côté-là, je pense. Ah, il y a mon gamin qui descend. Alors, je sais pas ce qu'il fait, Alex. J'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il lui arrive pas un truc dramatique. Parce que Alex, il est plus disponible. Alors, parce que je pense qu'Alex, il était peut-être tellement en dépression. Peut-être que. Un Sims qui se sent bien, n'a pas d'émotion négative, qui est positive particulièrement. Faites-lui essayer une activité pour voir ce qu'il se passe. Ah ouais, il est là, Alex. Il est. Ah non, il est pas là. Il est pas là. Attendez, bah Alex, il peut faire des actions ou pas? Ah non, il peut rien faire. Ah non, bon. Bon, peut-être qu'Alex y reviendra plus tard. Écoutez, on va dire que pour l'instant, il est pas là. Voilà. Oh, le gamin, il part où là? Oh, il y a Natasha Knightson. Oh! Ah oui. Bon, Alex, faut pas qu'il la voie. Parce que là, c'est une sur le 131, Madame Knightson, regardez. On dirait une star. Mais ce n'est pas elle la guest d'aujourd'hui. C'est pas Madame Nateson et Bellfire, évidemment. Je vais y aller avec Anna. Anna Kind. Et avec mon gosse qui est en train de se balader dans la rue. Je sais pas, il va où en fait. Rentrer chez soi. Rentre chez toi, mec. Qu'est-ce qu'il fait ce gosse? Bon, attendez, on va s'occuper du gosse. On va s'occuper du gosse, ça part en cacahuète. Alors, il a faim, il veut dormir et il doit aller aux toilettes. Donc, déjà, on va l'amener aux toilettes. Le toilette, il est où le toilette pour le gosse déjà? Hein, il a la toilette le gosse? Attendez, il a pas de toilette? Il a pas de toilette, ok, je disais bien, il manque, d'accord. Bah, c'est génial, c'est pour ça qu'il n'y a pas de toilette depuis tout ce temps, en fait, il n'y a pas de toilette. Voilà, c'est la toilette. Bah, attendez, what the. Et comment il faisait pour aller aux toilettes? Oh, le drame, depuis tout ce temps, il n'a pas de toilette? Non. Bon, on va mettre la toilette, hein. Let's go. Ok, on retourne en famille, on va aux toilettes avec le gamin. Et attendez, what? Ok. Donc il va aux toilettes. Ensuite, il mange. Parce que c'est un moment, hein, voilà. Demander un dessert. Voilà, après tu vas aux toilettes, tu vas manger, le gamin. Après il se fait tard, donc on va peut-être aller dormir. Et demain matin, on ira faire un petit tour, voir les guests qui sont arrivés en ville pour quelques temps. Alex est de retour! Alex est de retour. Oui. Alex est de retour. Yes.
Comment il va, le Alex? Oh, bah, il va pouvoir venir avec nous, du coup. Il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Peut-être qu'il était en convalescence. Je sais pas ce qui lui arrivait, Alex, mais c'était un petit peu étrange. Par contre, pourquoi ils marquent qu'ils sont pas chez eux? Mais what? Il y a un petit bug, hein. Je pense qu'il y a un petit bug en vrai dans le jeu, c'est juste ça. On va dormir un petit peu, voilà. Le gamin, il faut qu'il mange. Donc là, il est bien. Il va pouvoir aller dormir aussi. Vous tous allez dormir, voilà. Parce que là, il fait tard, etc. Demain matin, on se réveille et on va rendre visite à des stars. Quand je dis des stars, ce n'est pas. C'est pas juste des Timothée, ben ça, c'est des youtubeurs. Point. Il y a pas de, c'est des stars ou quoi. C'est youtubeurs et stars, il y a une différence. Des youtubeurs, je les considère pas comme des stars. Je considère comme des personnes très cool qui font du contenu vidéo ludique, comme dirait Lucas Studio, évidemment. Non, vraiment, c'est. Voilà. Mais là, ce n'est pas eux. Ce sont des vraies stars. Des stars que vous connaissez tous presque, de nom limite. Y a un bug. Ah oui, il a été payé pour ses congés payés. Ok. Alex, il est déjà debout. Alors, Alex, comme tu es déjà debout, tu vas faire ton niveau de carrière comme il faut. Tu vas préparer à manger. Voilà. Ça s'est fait. On va pouvoir passer la journée en ville. Cuisiner ensemble avec personne. Non, 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 tu cuisines avec personne, mec. Attends, il peut faire des plats au four, hein, faut pas oublier. Hein. Cuisiner un repas gastronomique au four. Et tu peux faire quoi niveau 10 au four? Une ambroisie? Il faut de la scalaire. Comment on peut faire pour acheter des articles? Attendez, c'est moi qui est bête. Hein. Va falloir vraiment que je trouve un moyen de mettre une boutique en ligne. Prochain épisode, ce sera la boutique. Hein. Voilà, je pourrais vous le dire, comme ça au moins vous êtes au courant. La boutique que je l'installe à l'épisode 37. Voilà, ce sera pour la semaine prochaine. De mon côté, je ferai le 37 et 38, je pense, d'affilée. Là, j'ai fait un petit peu une pause sur les tournages Sims parce que je commençais à avoir un. J'ai envie d'avoir du temps pour réfléchir à des idées, etc. Et là, j'ai eu une idée ce week-end. Je me suis dit, on va mettre des guests, on va aller leur faire un petit coucou, on va rester un peu chez eux. Voilà, ça va faire un petit peu bizarre parce que c'est évidemment, c'est des fake-kiff, hein, c'est des Sims et tout, mais ça fait bizarre d'avoir mis ces guests. Alors pour moi, ils sont importants. J'ai pas mis des guests que. Alors là, j'ai. Encore, Wifi 4, je les connais de nom, voilà, j'ai déjà vu quelques vidéos d'eux, voilà, c'est tout. Mais je regarde pas. Quotidiennement, je regarde une fois de temps en temps, une fois par an, je regarde 3-4 vidéos. Voilà. Là, les guests. les guests, c'est. Genre, toutes les semaines, j'entends parler d'eux, ou toutes les semaines, j'ai envie d'entendre parler d'eux, quoi. Même si, voilà. Des fois, ils font pas grand-chose, ces guests-là, mais. Ça, c'est parce que, voilà, ils prennent leur temps. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vous mets pas trop de suspense pour le moment, j'ai pas envie de vous faire trop patienter. On va manger déjà avec Alex. Voilà. On va nettoyer. Ensuite, on va refaire un plat. Voilà. Ah, il y a Anna Kind qui est réveillée, qui va manger le petit déj. Par contre, c'est dégueulasse. Il faut faire vous faites le ménage, les frérots et les sœurettes. Hop. J'avais vu que quand on faisait ça. Alors, attendez, c'est quoi ça? A peur d'avoir un emploi sans avenir. Pourquoi Alex est-il resté travailler au départ? Eh bien, parce qu'il adore son travail, évidemment. Il est peut-être temps de se reprendre et de se montrer à tout le monde qu'il a sa passion pour le travail. Cliquez sur le titre si vous voulez retrouver la passion avant d'aller au travail. Oh oui, retrouver la passion avant d'aller au travail, ça c'est peut-être intéressant. Alors pour le coup là, sur le fait là, oui, je trouve que c'est intéressant. On va cuisiner un repas gastronomique avec un level un peu en dessous, voilà, des frites aux épinards. On va le mettre sur la table, peut-être qu'on pourra donner ça au gamin plus tard. Là on mange tôt. Hein. Là je vous dis on mange tôt, on fait tous les trucs tôt, on se met en forme très tôt. Comme ça on va pouvoir vite aller faire des petits trucs. On va réparer l'évier, on va aller aux toilettes aussi après. Est-ce qu'il faut qu'il se lave? Non, pas encore. Voilà. Il va en manger un morceau. Vous savez quoi? Il faut qu'il se mette bien, Alex. Voilà, il se met bien. Il est parti où? Ah, ok, elle est partie ranger le jouet. C'est pour ça qu'elle est dehors. En fait, c'est considéré comme extérieur de la ville et de la maison. Ok. Très bien. Ok. Alex a réparé. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à aller aux toilettes. Et il a fait son plat là, Alex? Il a fini ses trucs. Les relations du travail sont bien. Oui, Nathan. Il faut que j'envoie un message à William Wanou et. Hop, juste. Discuter. On va juste discuter. Oh là là là, les amis, les amis. On va arriver à un événement légendaire. Est-ce que je vis qu'avec Alex? Ou pas? Ça, c'est la question que je me pose. Il est 8h. Je pense que nos guests, ils sont. Ouais, je pense que nos guests ils sont en ville quoi en fait. Hein. On va aller les voir. Hein. Écoutez, bon bah je vais pas vous mettre trop de suspense. Attendez, je vais peut-être me mettre bien quand même avec. Ouais, il faudrait qu'elle mange un morceau. Voilà, on va prendre l'assiette qu'Alex il a fait tout à l'heure. Voilà, on va la manger. On va arriver le gamin et puis bon, on y va. Hein.
Le gamin d'ailleurs, il a des trucs à faire avant de partir. Ouais, allez, vite fait, il y aura aux toilettes. C'est quoi, on va le réveiller, on va l'amener aux toilettes. Et puis on va faire un tour, hein. On va aller rencontrer des guests. Mais alors c'est incroyable, hein, les guests qu'on va rencontrer, j'aurais jamais cru. Ça n'existe pas dans la vraie vie ce qui va se passer, quoi. C'est impossible, c'est une fictive de ouf, là, hein, vous allez voir. Ok. Ok, j'essaie de vous hyper depuis tout à l'heure, pourquoi? Parce que là, voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on soit sérieux. Hop. Allez, c'est parti. Hop, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. On va voyager en groupe avec Alex. Et attention. Attention, se déplacer. Allez. Attendez, comment on pourrait faire pour y aller inviter jusqu'à. Ah oui, on peut aller avec des Sims. Et eh ben, c'est quoi? On va aller avec Samantha Novak, Steve Powerman, Nathan, William. Et mes trois Sims actuels, hein, du coup. Donc, c'est-à-dire avec Anakin, mon petit, et moi-même. Et ben, on y va! Et on va faire un tour où, vous allez voir, ça y est, la révélation, parce que en vrai, même quand j'ai cliqué dans la maison, vous allez comprendre qui on va voir. À moins que je floute, mais je pense pas que je vais flouter. Je vais peut-être pas flouter. Voilà, on va aller tous rencontrer des stars, mais voilà, là, c'est des noms, moi, qui résonnent dans mon cœur depuis 7 ans bientôt. Ouais, en 7 ans, ça fera 7 ans que ça résonne dans mon cœur. On va aller rencontrer les Blackpink. Et oui! Ah oui, je l'avais dit, là, c'est pas du petit menu fretin, là. Là, c'est du lourd. Voilà, là c'est du level 10 en musique. Hein. Si je dois mettre des levels, et je mets le niveau max, je mets Blackpink en level max, avec les BTS, avec Katy Perry, avec Rihanna, tout ça c'est les level 10. Mais voilà. Oh, regardez! Mais non! Regardez, c'est qui? C'est Jennie! Bon, après, c'est pas les meilleures ressemblances qu'il y a, mais après, j'ai pas les DLC et tout. Hein. Regardez, c'est Lisa! Alors, par contre, Lisa, on la reconnaît de ouf. Hein. Non. Regardez, c'est Lisa des Blackpink! Non, mais attends, on la reconnaît par contre, elle est bien faite de ouf. Hein. Lisa des Blackpink, elle est vraiment faite. La Lisa, elle est trop bien faite. Donc, ça, c'est Jisoo, je pense. Ça, j'ai reconnu, c'est Jisoo. Donc, regardez, il y a Jisoo. Regardez, on dirait que c'est une conférence avec avec des stars. Regarde, il y a Rosé. Rosé Park! Incroyable, les amis. Et là, c'est Jennie, hein, on la reconnaît. Hein. On la reconnaît parce que. On la reconnaît tous. Hein. Et là, je suis venu avec des amis. Hein. Là, on est venu entre amis. Pourquoi tu parles? Non, non, attends, Alex, Alex, va parler directement à la meilleure chanteuse de l'histoire pour moi. C'est vraiment ma chanteuse préférée de tous les temps, hein, je préfère vous le dire. C'est Lisa des Blackpink, évidemment. Présentation amicale. Oh là là, Alex, tu vas parler à Lisa. Elle est toute contente, le sourire de Lisa. Oh là, elle a fait ça. Mais non, il parle en coréen, donc voilà. Là, on fait semblant qu'il parle en anglais, évidemment, parce qu'en coréen, je pense pas que nos personnages. Et là, il y a qui? Oh, il y a Jisoo et Lisa, bah c'est. Voilà. Si tu dois faire un classement du Blackpink, juste pour faire un petit classement du Blackpink, je mettrais Lisa en première, Jisoo en deuxième, Jennie en troisième, et Rosé, c'est. J'apprécie, en fait, les quatre. Vraiment, il y a rien que je leur reproche, mais vraiment, je suis obligé de leur mettre un ordre de préférence. Donc voilà. Je vais présenter. Je suis présenté d'ailleurs à Jenny. Je me présente à Jenny et à Rosé, évidemment. Voilà, donc Alex connaît les Blackpink. Voilà, ça c'est ce qui se passera peut-être jamais dans la vraie vie. Voilà, c'est qu'un rêve, mais c'est un rêve qui se fait dans les Sims. Regarde, il y a même des gens là qui sont là, ils veulent voir les Blackpink. Oh là là, il y a les Blackpink en ville. Alors ils vont pas rester éternellement. Non, toi, je te réponds même pas, toi tu peux m'oublier. Voilà, donc Alex il discute avec Jenny, voilà. Et ben voilà, la rencontre avec les Blackpink. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors t'as dans les discussions, j'ai quoi là? Discuter avec Sarah, manger un repas excellent. Bon, ça ce sera un peu pour plus tard. On va parler avec Rosé, on va commencer par Rosé, on va illuminer la journée de Rosé. Et si ça c'est pas un rêve d'illuminer la journée d'une des Blackpink. D'ailleurs, il y a une des Blackpink qui fait un K-drama en ce moment, je crois, c'est Jisoo, de ce que m'avait dit une amie à moi très proche. Elle m'a dit que voilà, Jisoo, elle est actuellement dans des dramas coréens, donc ça fait plaisir. Aux côtés d'ailleurs d'une ancienne candidate des Sauf qui pécho, vous savez, l'émission coréenne.
L'émission coréenne qui est sur Netflix, évidemment. Hop. Alors, Lisa. On va finir par Lisa, non. On va parler à Jenny. Discuter des derniers jeux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des jeux vidéo, Jenny, je pense. Parler de cuisine, peut-être, voir ce qu'elle mange en Corée, peut-être. Regardez, il y a les stars qui. Regardez, il y a des gens. Il y a Lisa qui rencontre la Lisa, quoi. C'est ouf. Voilà, moi je m'appelle ici Lisa. Il y a tout le monde qui vient parler au Blackpink. Hein. Vraiment, les Blackpink, elles viennent d'arriver chez dans leur petite maison de séjour là pour quelques jours. Tout le monde vient leur parler. Oh la pauvre Rosé, elle est toute seule. Oh non. Oh Rosé, elle est toute seule. Jenny Anne. Ok. Bon, évidemment, il faut que je parle à la meilleure draguée. Oh non. Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie de regret Lisa de Blackpink. Vraiment. J'apprécie pas au niveau de ce niveau-là, plutôt au niveau du spectacle qu'elle propose, de la musique qu'elle propose. M n'aime pas s'enthousiasmer pour des vidéos, complimenter sa maison, complimenter la tenue, bien sûr. Regardez, il y a des Blackpink. Oh, elle est trop mimi! Oh là là! Bon, voilà, c'était la petite surprise que je voulais vous faire, c'était de mettre des guests, et je me suis dit pourquoi pas mettre des Blackpink. Oh, elle me répond directement! Oh là là! Il y a le versus! Regardez! Je parle avec Lisa directement en face à face, quoi. Attendez, je veux voir vraiment à quel point a été poussé le travail fait sur le personnage de Lisa. Franchement, très bien fou! Et franchement, Jenny, ça va! Jenny, ça va, elle est quand même bien faite, hein! Bon, c'est pas la meilleure fête. Si, elle est bien faite quand même, Jenny. Par contre, Lisa, c'est un truc de fou. Lisa, c'est un truc de fou. Le travail a été bien fait. Celui qui a fait la Lisa, là, c'est le boss. Rosé, moyen. Rosé, moyen. Et je vais voir Jisoo. Jisoo, un peu moins. Non, Jisoo, lui ressemble pas trop. J'ai trop d'être, Jisoo, lui ressemble pas trop. Quoique, attendez. En fait, elle fait plus penser à Zuyu limite que Jisoo. On est plus Zuyu des Twice. Ouais, je sais pas. William Manu est content aussi, hein. C'est un fan de musique, hein, William Manu, hein. Voilà. Bah écoutez, on va rentrer. On va laisser les Blackpink tranquilles parce que moi j'ai une journée de travail intéressante là qui m'attend. En plus, j'ai pu discuter avec Natasha, Nateson et tout. Donc c'est cool. On va laisser ma femme tranquille. On va la laisser ici. Moi, je vais rentrer avec Alex. On va la laisser hors de la ville. Voilà. On va les laisser avec mon gosse, ils se débrouillent, hein, ils sont grands. J'espère que je fais pas une connerie en les laissant. Bon, bah on va les faire tous rentrer en fait, parce que là j'ai l'impression que c'est pas un drame. Allez, on va laisser les backlinks tranquilles. Voilà, on va laisser In Your Area évidemment. Hop, il y a plein de gens qui continuent à venir pour voir les Blackpink. Ils se disent, oh mon dieu, il y a les Blackpink en ville, c'est. Imaginez, là, dans votre ville, quel que soit où vous êtes dans le monde, parce que les Blackpink elles vivent quelque part dans le monde. Là, peut-être séparément, il ne vit pas forcément à 4, il faut pas abuser non plus. On dit là, il y a des Blackpink qui vivent à côté de chez vous. Est-ce que vous êtes un genre harceleur, vous allez les harceler? Ce que je ferais pas, moi perso. Moi je serais vraiment quelqu'un de tranquille. Hein. Moi j'ai une star à côté de chez moi, je l'embête pas, hein, je la laisse tranquille. C'est des humains, hein, ils vivent tous, hein, on est tous des humains sur Terre, faut qu'on vive, hein, faut pas les harceler. Ou alors, juste, tu essayes d'avoir une occasion une fois dans ta vie de leur faire un coucou, discuter un petit peu. Voilà, juste comme ça. En sachant si tu sais parler la langue de la star. Parce que si tu sais pas parler coréen, ils parlent que coréen, c'est compliqué. Si c'est des stars américaines, tu sais pas parler anglais, c'est compliqué. Ou alors latino. Voilà. Évidemment, il y a ce côté-là à prendre en compte. Hein, je vais pas vous mentir. Bon, bah Alex, il a rencontré les Blackpink. Donc là, regardez dans sa liste de contacts, on peut dire qu'il y a la Lisa. Non, mais c'est ouf, il y a la Lisa Manobal. Il y a évidemment Johnny Kim. Il y a Rosin Park. Et il y a évidemment, elle est où la quatrième? Ah, il a pas parlé à tout le monde, Alex? Mais elle est où, Jisoo? Attends, Jisoo est pas dans sa liste? Ah, il n'y a pas Jisoo dans sa liste? Oh non! Oh non! Oh non, il n'y a pas Jisoo, bon, tant pis. Il n'y a pas Jisoo, c'est comme ça. Bon, Alex, il boit un petit café, voilà, il est content, il a vu le Blackpink, là, il faut qu'il se repose un peu. Il va aller prendre la petite douche après. Il va aller. Non, vous savez quoi? Il va pas prendre forcément la petite douche, il va aller aux toilettes. Prendre une petite douche. Faire une petite sieste. Voilà, dormir, ouais, enfin une sieste, dormir. Et après, il faut qu'il se motive pour le travail. Bon, bah voilà! Bah écoutez, on va juste faire le truc de travail d'Alex. Ensuite,
Je sais pas ce que. On va peut-être aller pêcher un petit peu, je sais pas, et après on va se laisser là, je pense. Mais c'est un petit épisode hein, aujourd'hui. On pousse pas trop le bouchon trop loin, Maurice MDR. C'est la ref. Non, vraiment, là, on a vraiment fait ce que je voulais, je suis content. Et on sait qu'il doit se motiver avant d'aller travailler, Alex. Ça, on sait que c'est important pour avoir peut-être une promotion. Parce qu'on sait qu'il part toujours en dépression quand il va travailler. Voilà. Donc là, il reste 1 heure. Il faut qu'il se lève. Et on va cliquer sur Alex directement pour qu'il puisse. Évidemment, se motiver. Alors, comment il fait pour se motiver avant d'aller travailler? Action. Non. Tenue, s'asseoir. Comment il peut faire pour se motiver avant d'aller travailler? Peut-être dans le miroir. Peut-être en regardant dans un miroir, il pourra faire ça. Alors, attendez. Où il y a des miroirs ici? J'en ai installé une barre des miroirs. C'est une dinguerie, là. Par contre. Si, il y en a un en haut. Alors, attendez. Hop. Se refaire une beauté. Hop. S'entraîner à faire un discours. Se motiver. Voilà, se motiver, ça, c'est cool. Ouais, il se motive avant d'aller travailler. Il est confiant. Comme ça, quand Alex va partir travailler, eh ben, il sera confiant. Voilà. Tout est dans le positif pour Alex. J'espère qu'il a sa promotion. S'il vous plaît. On attend ça depuis je sais pas combien d'épisodes. Là, ça devient une dinguerie. Hein. Ça devient une dinguerie totale. Anna, tu vas aller pêcher. C'est ce que je disais juste avant. C'est qu'on va aller faire pêcher Anna un petit peu. Voilà. Allez pêcher. Alex part travailler. Ça, c'est bon signe, j'espère. Il part confiant. Mixologue de talent. On sait. Ok. Motivé. Les paroles d'encouragement vous motivent à faire de grandes choses, même quand elles viennent de vous. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est plus intéressant. En pleine forme. Accueillant. Ici, s'occuper des tâches ménagères semble être très naturel. Parfait. Ça c'est quoi? Passer à côté de ses rêves. Ça, on s'en fout. Énergisé par le café. Allez, Alex. Tu peux le faire. Là, on y croit. Par contre, elle va pêcher la petite femme. Oui, elle va pêcher. Elle part pêcher. Voilà. C'est bien. Elle récupère des trucs. Je sais pas ce qu'elle a récupéré. Anna vient d'attraper ceci. Pièce d'amélioration commune. Ça, c'est bien en fait. On peut pêcher tout. Un peu comme dans Minecraft, vous savez, on peut pêcher des étiquettes, on peut pêcher des livres, enchantements, on peut pêcher des bottes, on peut pêcher des seaux. C'est un peu comme Minecraft en vrai. C'est ça qui est cool. C'est le côté. Voilà. Et puis, elle aime bien pêcher. Elle est en pleine forme, elle est motivée. Elle va peut-être aller dormir, elle va peut-être manger un morceau et dodo. Hein, on va se mentir. Une truite? Let's go, nouveau poisson à attraper. Valant 21 dollars. Je vais voir comment d'ailleurs pour l'épisode d'après, je vais voir comment mettre une boutique en place, etc. Pour qu'on aille chercher de la nourriture, etc. On va faire ça, promis. Promis, on va s'occuper de ça. Oh, par contre là, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi toute cette dégueulasserie là? Attendez, il y a des trucs à acheter dans ton inventaire d'ailleurs, tu vois, on va faire un petit peu le ménage là. Ça aussi là. Hop, placé dans le monde, on va le placer dehors ça. Allez, un peu de ménage avant d'aller avant de manger, dodo. Ah, c'est qui ça? Ça c'est Ah, ça c'est Bellfire, non? Ouais, direct Bellfire. Je reconnais son chapeau. Un petit peu de Monkey D. Luffy. Et oui, toujours avec un chapeau de paille, évidemment. Imagine pareil, on va voir peut-être une des Blackpink passer là devant chez nous. Ce serait vraiment cool hein, qu'une des Blackpink d'ailleurs elle décide de nous contacter, etc. Ah, vider la poubelle, va vider la poubelle. Ensuite, je jette ça. Et après, fais-toi un petit repas équilibré. Il n'y a pas un repas avec des légumes là. Paos des Keijo, je connais pas du tout ça. Petit pain au fromage. Allez, ça peut être cool. Le fromage, c'est très bon. Moi d'ailleurs, j'ai acheté du comté aujourd'hui là. C'est un de mes fromages préférés. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi votre fromage préféré, moi c'est le Roquefort. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas parce que c'est du moisi et tout. Et le Comté. C'est les deux meilleurs fromages que j'ai mangé dans ma vie. Et après, les fromages un petit peu des régions. Hein. Évidemment, il y a des bons fromages, je pense au Beaufort, etc. Il y a des très bons fromages par région. N'hésitez pas d'ailleurs à parler de vos fromages dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites astuces, etc. pour les repas. D'ailleurs, j'ai peut-être envie peut-être d'ouvrir un second compte Instagram, je sais pas encore, que je mettrai aussi en description, où je vous partagerai des plats que je fais maison, etc. Parce que je fais de plus en plus de plats faits maison. Et j'ai envie de partager en fait voilà, mes plats, des plats que je fais, etc. Voilà, des plats différents. On verra, c'est pas encore décidé, etc. Ah non, Alex, pas promo? Pourtant, il était motivé. Après, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de relations avec ses collègues. Il faut peut-être qu'il vienne le meilleur ami de ses collègues, genre de William Wanou et de. Vous savez quoi? Je vous le dis maintenant, je vais être honnête. Je vais être honnête. Je pense que je vais me rapprocher de Natacha en meilleur ami. Voilà.
Déjà, meilleur ami. Après, je sais pas si ça pourrait se passer. Il pourrait se passer une dinguerie, etc. Moi, je prévois pas. Je prévois pas ce qui se passera. Pour l'instant, je vais juste devenir meilleur ami avec Natasha. Et peut-être après, s'il faut, on mettra en meilleur ami William. Il faut vraiment qu'on fasse dans l'ordre. Parce qu'il faut pas qu'on vise tout le monde d'un coup. Et là, Lisa. Et là, Lisa, j'aimerais bien que ce soit ma meilleure amie. Hein, mais ça, c'est. Ça, c'est un rêve, quoi. Bon, bah, Alex va dormir. Hein. Vraiment, t'es malheureux comme tout, mon Alex. Non, on va manger. Tu sais quoi, nettoie ça. Nettoie ce bordel. Fais-toi un repas gastronomique. Et tu crois que je vais peut-être me mettre un deuxième jour de congé, mec. Hein. Clairement. Je vais te mettre un deuxième jour de congé parce que là, ça va plus. Alex, ça va plus du tout. Hop, fais-toi un petit plat pour manger avant d'aller dodo. Après, petite Jessie. Et on va l'amener dodo. Et on va se laisser là, je pense. Épisode d'après, je vous dis, il y aura une boutique. Soit on va créer notre boutique. Je vais regarder comment on peut faire sur le net. Et on va mettre en place une relation amicale très importante avec Natasha Nateson. Parce que, déjà parce que elle est mignonne, voilà, on peut dire. Mais aussi parce que j'apprécie avoir des amis, collègues. Et on peut faire William Wanou, hein, mais en vrai, on va faire dans l'ordre des gens que j'ai connus en premier. Et Natasha, je l'ai connue avant William Wanou. Et après, on fera William Wanou. Voilà, il faut qu'on fasse dans l'ordre, les amis. Bon, Alex, t'as tout fait, là, va dodo. Qu'est-ce que. Il a pas mangé quand il a fait son plat, il a pas mangé. Ouais, mange ton plat. Et après, va dodo. Hop. Voilà, régale-toi, mon frérot. Il a pas de toilette, pourquoi? Il est bouché de toilette? Non, après tu vas aux toilettes, mec. En fait. Hop, après tu nettoies. Ça, c'est un automatique qu'il faut que tu apprennes, Alex. Ok, il a pris le dos. Bon, ben voilà. Et on est plutôt bien. On est plutôt bien. On va se laisser là pour l'épisode numéro 36. Bon, j'espère qu'il vous plaira quand même. J'ai essayé un peu d'innover sur des petits points. Hop, je vais mettre pause, évidemment. Et je vais sauvegarder le petit j'aime. Comme ça, pour me dire ce que vous pensez, évidemment. Enfin, le petit j'aime. Non, pas du tout, je confonds. Le petit j'aime pour évidemment, me dire que vous kiffez cette vidéo. Le petit commentaire pour, évidemment, me dire ce que vous pensez du fait que je mets des guests de temps en temps. Enfin, là, j'essaierai peut-être de mettre encore un ou deux guests, peut-être avant la fin de l'aventure, c'est-à-dire l'épisode 50. Je vais essayer de mettre une boutique en place, me rapprocher de Natasha Madison pour le boulot. C'est bien pour le boulot. On verra. Ouais, on verra, écoutez. Et écoutez, on va se laisser là. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour voir les vidéos prochaines qui sortiront, etc. L'épisode 37 la semaine prochaine, l'épisode 38, ce sera boutique. Peut-être des nouveaux guests avant l'épisode 40. On verra. On va laisser les Blackpink jusqu'à l'épisode 39-40. À l'épisode 40, il n'y aura plus de Blackpink. Et les guests que je vais ajouter entre-temps, il y en aura peut-être pendant un petit peu moins longtemps que les Blackpink. Je mettrai des guests un peu moins importants. Je préfère vous préciser. Voilà. Ce sera un petit peu des clins d'œil à des gens que j'apprécie. Voilà. Vous allez voir, vous allez voir. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça me permet le soutien, ça me fait grand plaisir. Et je vais essayer avec le temps, si on est vraiment. À un moment donné, on a atteint je sais pas, le stade de 1000 abonnés par exemple, pourquoi j'essaierai de vous faire une vidéo d'intro et d'outro? Parce que ça fait longtemps que je pense que je devrais faire ça, mais la première fois que j'ai fait ça, c'était un gâteau total, c'était il y a 10 ans. C'était moche, c'était voilà, c'était hilarant, on va pas se mentir. C'était très drôle, mais c'était l'époque, hein. C'était les débuts de YouTube. 2010-2013, c'était encore le début. Là, je voudrais faire une intro très courte de 5-6 secondes, mais vous voyez une intro, une petite outro, voilà, qui permet de clôturer la vidéo. Ça fera un petit peu plus professionnel pour vous, je pense, même si c'est dans le gaming. Ciao tout le monde, c'était Don Alex. Je coupe ici la caméra et le micro. Ciao tout le monde.